My name is Sylvie Harrison. I am the manager of the Radio Craft team at Farm Radio International, and I will be your host today. So today on our program, will be in English with a simultaneous translation into French. So you can select your language of preference by clicking on the globe at the bottom of your screen. There's a small globe icon. Click on that and select either English or French, depending on the language that you would like to hear us in today. So I will say that in French to give francophone speakers the opportunity to switch their language. Donc aujourd'hui, notre programmation sera en anglais avec une traduction simultanée en français. Donc vous pouvez sélectionner votre langue de choix en cliquant sur, il y a un petit globe en bas de page sur votre écran. Il y a un globe, vous pouvez sélectionner la langue, soit l'anglais ou le français, selon la langue que vous voulez entendre pendant la présentation aujourd'hui. Donc, je vous donne un instant pour faire ça et je vais retourner en anglais et vous allez entendre la traduction à fur et à mesure. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Clementina, je suis la traductrice pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, comme nous le savons, les agriculteurs et agricultrices ont beaucoup à dire et beaucoup en jeu en ce qui concerne les systèmes alimentaires mondiaux. Et selon une étude de 2018, les agriculteurs, agricultrices de petites exploitations produisent un tiers de la nourriture mondiale. Un tiers de la nourriture mondiale. Et pourtant, il existe encore des obstacles importants à la participation des populations rurales aux discussions et aux processus décisionnels mondiaux. Ainsi, en juin de cette année, motivé par le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021, Radio Rurale Internationale, le FIDA, World Vision Canada et le Canadian Food Security Policy Group ont exploité le pouvoir de la radio pour écouter ce que des milliers d'agriculteurs, agricultrices de petites exploitations ont à dire sur l'avenir des systèmes alimentaires. Au total, 6 stations de radio au Burkina Faso, au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda ont travaillé avec nous pour créer des discussions passionnantes sur les systèmes alimentaires à l'antenne à travers 18 épisodes authentiques d'émissions de radio complétés par des sondages auprès des auditeurs par téléphone mobile. Nous avons demandé aux populations rurales quelques questions. Quels problèmes ont le plus d'impact sur les agriculteurs et en particulier les agricultrices? Quel est l'avenir des systèmes alimentaires et qu'est-ce qui doit changer pour améliorer la vie des familles d'agriculteurs et agricultrices? Donc ça, c'était juste quelques-unes des questions que nous avons posées. Donc notre objectif était vraiment de créer une plateforme pour le monde, pour vous, pour entendre ce que les populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes, veulent et ont besoin des systèmes alimentaires mondiaux. Au total, nous avons reçu plus de 12 000 réponses de 3 500 personnes. Et je suis très heureuse de vous compter parmi nous aujourd'hui alors que nous lançons le rapport Dialogue à l'antenne à l'écoute des voix rurales. Et donc, à l'approche du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de 2021, nous espérons que ce que les populations rurales nous ont dit nous rappellera en tant que gouvernement, organisation, décideurs et individus que les agriculteurs, agricultrices de petites exploitations devraient avoir un rôle central dans les discussions mondiales et que vous pouvez, et on veut vous montrer aussi que vous pouvez utiliser les médias de masse et accessibles pour entendre les populations rurales à tout moment. Donc, commençons maintenant. On va donc commencer par entendre les agriculteurs et agricultrices qui ont participé au dialogue à l'antenne. Ensuite, nous aurons un message spécial de S.I. Alexandra Bougeliskis, ambassadrice du Canada en Italie, en Albanie et à Saint-Marin, haut-commissaire du Canada à Malte et représentante permanente auprès de la FAO, du PAM et du FIDA. Nous attendons également avec impatience d'excellents panels avec des représentants du FIDA, du World Vision et du Canadian Food Security Policy Group. Merci beaucoup à tous nos panélistes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui, à nos panélistes aussi à l'avance. C'est parti.
Avant que vous ne soyez pas mort, mon Dieu, je vais aller m'amener à une prison d'amour. Derrière I solve individual problems. I say no more so. India or more, a defa kuya no hona nanko modi akano. Bonjour, hello. It's a pleasure to be here with you today. C'est un plaisir d'être aujourd'hui ici avec vous pour donc ce lancement de ce rapport. Cette année nous a appris beaucoup de choses, de nous montrer comment est-ce qu'on est interconnecté sur plusieurs sujets. Et tous ces sujets sont vraiment liés et tout ce qui se passe dans le monde, de l'autre côté du monde, a vraiment un impact sur tout le monde avec tous les événements dus au changement climatique. Ça vraiment impacte tous les systèmes alimentaires nationaux et globaux. Cet été au Canada, on a eu une grande sécheresse. Et donc, nos agriculteurs et agricultrices doivent vendre leur bétail pour pouvoir survivre. Mais je suis optimiste sur notre futur. Beaucoup des réponses, des solutions sont déjà présentes. Tous les agriculteurs de petite exploitation peuvent transformer nos systèmes alimentaires de façon durable. On doit entendre leur voix et apprendre de leur expérience et de ce qu'ils savent. Et dans le passé, les Premières Nations au Canada ont pu en fait faire face à ces feux de forêt de façon traditionnelle. Et donc, on doit apprendre de. C'est clair que les premières donc les tribus au Canada et les agriculteurs et agricultrices des petites exploitations sont ceux qui ont mieux fait face à ces changements climatiques. Et on veut s'assurer que ce sommet donc est informé par des voix des agriculteurs et agricultrices. Et cela est essentiel pour obtenir plus de famine dans le monde, zéro famine dans le monde. Et on est vraiment tous enthousiasmés d'apprendre des experts locaux pour pouvoir construire un futur durable pour nous tous. Donc, je suis vraiment très reconnaissante du travail de Radio Rurale Internationale, IFAD, World Vision Canada pour aller voir ces communautés et obtenir les expériences des agriculteurs et agricultrices et les pratiques agricoles traditionnelles pour pouvoir construire des systèmes alimentaires durables, équitables. Merci beaucoup.
Thank you so much. It was Merci beaucoup. C'était vraiment super d'entendre certaines voix des agriculteurs et agricultrices qui ont appelé et qui ont participé au dialogue à l'antenne. Et on peut voir qu'il y a une compréhension claire de ce qui doit être fait pour pouvoir améliorer leur vie en tant qu'agriculteurs et agricultrices de petite exploitation. Et merci aussi pour ces mots inspirants de l'ambassadeur. Et bien sûr, la radio dans ce contexte nous a permis d'atteindre autant de personnes pour entendre ce qu'ils avaient à dire. Donc merci pour ces mots inspirants, ambassadrice Bougaïli-Ski. Donc, nous sommes maintenant rejoints par deux passionnés de communication. Le premier est Rex Chapota, qui est donc le senior advisor, qui est le conseiller principal pour la stratégie et la croissance à Radio Rurale Internationale. Rex est un leader du développement international avec beaucoup d'expérience et avec une perspective commerciale visionnaire pour faire de l'agriculture en Afrique subsaharienne un moteur de croissance économique durable. Notre deuxième invité est Hélène Papper, directrice des communications mondiales et du plaidoyer au Fonds international du développement agricole, ou FIDA. Hélène a une longue expérience dans le journalisme, le maintien de la paix à l'ONU et a conçu et lancé des stations de radio nationales dans des pays en conflit et post-conflit. Ces programmes de radio ont à leur tour façonné les politiques locales et nationales et ont permis des progrès significatifs dans la lutte contre l'équité entre les sexes et les droits de l'homme au sens large. Et ça, c'est le pouvoir de la radio. Bonjour Rex et Hélène. Bonjour, c'est super d'être ici. Merci beaucoup. Rex, nous aimerions que vous en disiez un peu plus à notre auditoire aujourd'hui sur les dialogues à l'antenne. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce qui a été fait exactement? Oui, merci beaucoup Sylvie. Les dialogues à l'antenne ont commencé de ce que je peux, par rapport à ce qu'a dit l'ambassadrice, c'est donc d'amener en fait les experts locaux, les agriculteurs, agricultrices de petite exploitation de l'Afrique subsaharienne, de les amener, d'apporter leur voix dans cette conversation globale. Et donc Radio Rurale Internationale, à travers le pouvoir de la radio, qui est la média de masse, que les agriculteurs et agricultrices peuvent accéder et à travers lesquels ils peuvent s'engager dans les conversations. Et tout ça a été donc amené ensemble pour ce dialogue. Et donc, ce dialogue est regarde les différentes pistes d'action de ce sommet. Et c'était spécial parce que ces agriculteurs et agricultrices sont ceux qui doivent être inclus dans une conversation globale comme celle-là, mais on sait, en fait, c'est aussi l'armée dans le monde qui, en fait, alimente le monde entier, et donc c'est super de les avoir, qu'ils soient engagés, impliqués, comme aussi les agents de vocalisation et aussi les radiodiffuseurs, de pouvoir partager leurs propres aspirations, leurs propres besoins et aspirations, et qui doivent être écoutés et entendus au sommet global et sur la scène mondiale. Les femmes, les jeunes, ils doivent faire partie de cette conversation globale sur comment est-ce qu'on peut alimenter le monde de façon équitable et durable. Merci beaucoup, Rex. Et pour ajouter à ça aussi que chaque station de radio qui a participé dans ces dialogues à l'antenne, on fait trois épisodes chacun avec des piste d'action du sommet sur les systèmes alimentaires. La première piste d'action, c'est donc
équitable pour tous. Ensuite, un autre, c'était résilience face au changement climatique. Donc, il y avait 3 programmes radio sur donc, ces pistes d'action. Donc, Hélène, je veux savoir pourquoi est-ce que cette programmation était si importante? Merci. Donc, oui, c'était important et Rex l'a dit de façon d'une très belle façon, la radio continue d'être une solution clé pour en fait permettre aux agriculteurs de se parler entre eux, de s'assurer que leurs voix font partie en fait des dialogues sur les différentes politiques et personnes dans des c'est des personnes qui sont très éloignées dans des communautés vulnérables et la question revient souvent. On voit un changement dans le monde, que c'est important d'inclure des réalités locales, des cultures locales dans les solutions quand on donc en avance à essayer d'améliorer en fait tous ces systèmes-là et inclure les systèmes alimentaires. Mais comment est-ce qu'on le fait en fait? C'est ça la lacune. Comment est-ce qu'on s'assure que leurs voix sont entendues? Et la radio est un des médias, un outil incroyable par rapport à ça. La radio, ensuite avec la technologie digitale à laquelle on a accès aujourd'hui. Et donc, c'est grâce à ça que ces programmes ont pu montrer tout ça à un niveau donc, de pilote. Mais et donc, ils montrent que leur efficacité pour donc lier les enjeux locaux à un niveau, à une échelle mondiale. Et surtout, spécialement dans ces zones rurales où ils ont accès à des services basiques, de partager aussi leur réalité locale, aussi de montrer en fait leurs enjeux spécifiques de leur vie de tous les jours à des niveaux différents. Comment est-ce qu'on peut avoir des solutions par rapport à ces systèmes ? Si on n'implique pas les personnes qui sont derrière les repas que nous avons et en les impliquant, ça, c'est un signe important qui sont importants et ça réduit aussi le risque de conflit et de sentiment que les personnes ne sont pas importantes. Mais aussi leur permet de leur donner une voix pour quelque chose donc qui est fondamental quand on avance. Donc il y a maintenant qu'il y a cette reconnaissance que les solutions locales sont clés, on doit changer rapidement pour adresser en fait cette crise globale en termes de santé, instabilité agricole. Et donc ces programmes sont à travers ces résultats, on peut voir comment est-ce que les priorités et les besoins de ces personnes sont différentes. Et quand on voit en fait les résultats de l'enquête, certaines des compréhensions mondiales derrière par rapport à ce que les populations rurales ont besoin, en fait, c'est différent des résultats que nous avons vus par rapport à cette enquête. Donc, en termes, donc, par exemple, quand on voit que l'accès à des outils financiers, c'est vraiment une priorité pour les agriculteurs et agricultrices. Merci beaucoup. Rex, j'aimerais donc te poser donc une question un peu plus technique ou une zone un peu plus technique en termes de programme radio. On a mentionné que on voulait donc atteindre surtout les femmes et les jeunes. Et donc, une des choses que les dialogues à l'antenne a pu faire, quelle a été une des façons que ce programme a pu en fait atteindre cet objectif? En effet, ces dialogues à l'antenne avaient donc un appel spécifique pour cette implication des femmes et des jeunes, parce que si on n'a pas cette affirmation positive pour amener les femmes et les jeunes dans cette conversation, alors la conversation n'est pas holistique. Et donc, au niveau des dialogues à l'antenne, on a amené les voix des femmes et des jeunes en tant qu'invités dans les émissions en radio. Et on s'est aussi assuré que les questions étaient spécifiques ou adressées spécifiquement les enjeux qui sont importants pour les jeunes et pour les femmes. Et
pendant donc, la radiodiffusion des émissions, dans notre collaboration avec les radiodiffuseurs, on s'est assuré que le temps de l'heure de l'émission, l'heure de radiodiffusion des émissions était accessible aux femmes, aux agricultrices, sachant qu'on peut les qu'elles peuvent ne pas être présentes si on ne parle pas des enjeux au bon moment. Et donc, de façon intéressante, pendant au niveau des résultats des dialogues à l'antenne, on a pu désagréger toutes les données et toutes les voix en termes de ce que les hommes ont dit, ce que les femmes ont dit, mais aussi ce que les jeunes ont dit. Et au niveau de ce rapport dialogue à l'antenne, on a eu presque 28% des femmes qui ont donc sont connectées au niveau de la discussion, et c'est plus de 35% des jeunes ont participé à la conversation. Donc on voit qu'il y a en effet que les dialogues à l'antenne n'étaient pas juste en train de parler aux hommes, mais à tous les groupes de personnes, hommes, femmes et jeunes. Merci beaucoup, Rex. On parlait donc des émissions radio, et pour avoir une émission de radio, on a besoin des radiodiffuseurs. Et donc, Hélène, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'est si important pour nous, et quand je dis « nous », je parle des personnes qui sont ici dans cet appel, et j'inclus moi-même, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous en termes de communication pour le développement, plus en général, de travailler directement avec les radiodiffuseurs et qu'ils fassent en fait ces programmes à l'antenne, en direct, au lieu d'être dans un studio et d'enregistrer le script et de le renvoyer pour qu'ils puissent juste diffuser. Et c'est une très bonne question. Et quand on parle des solutions locales, on parle aussi des réalités locales. On parle aussi en fait des radiodiffuseurs locaux qui savent en fait au mieux comment connecter aux réalités de la population locale. Et donc, les journalistes eux-mêmes qui peuvent donc s'exprimer différentes langues locales et qui ont une connexion fondamentale avec ces personnes. Et il y a une confiance qui est très, très importante ici. Il n'y a pas toute personne peut entrer dans une communauté, dans votre maison, dans une personne et commencer à poser des questions sans vous connaître, sans connaître qui vous êtes et comment est-ce que vous allez avoir confiance. Et donc, c'est pour ça que c'est là qu'on crée la différence. Et donc, les stations de radio que j'ai pu donc lancer dans ces missions pour lesquelles j'ai travaillé. Et donc, c'était vraiment un de mes objectifs, qu'il y ait des radiodiffuseurs locaux qui parlaient à leur population, aux populations qu'ils connaissaient par rapport aux réalités locales, aux réalités qu'ils commençaient. Donc, c'est pas aux organisations internationales de venir et d'aider les radiodiffuseurs. Et donc, l'importance, en fait, d'utiliser en fait ce facteur de confiance, et ça permet en fait cet engagement, cette implication, et d'aller vraiment au cœur de quels sont les enjeux réels. Et ils s'ouvrent beaucoup plus en fait quand c'est des gens de confiance et qu'ils connaissent, et ça crée en fait un échange beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant. Et ça permet aussi ensuite d'avoir un impact sur les politiques qui sont décidées au niveau global. Merci beaucoup. Je suis sûre que Rex peut donc être d'accord par rapport à ça, ces idées de confiance, crédibilité et durabilité. Et donc, merci beaucoup, Helen et Rex, pour cette explication par rapport au processus. Et on va donc revenir vers vous plus tard. Et donc, restez avec nous. Et pour notre audience, si vous voulez en savoir plus par rapport à ce rapport Dialogue à l'antenne, vous pouvez explorer une représentation visuelle et interactive très intéressante du rapport par rapport donc aux réponses qu'on a obtenues.
vous pouvez cliquer et voir certaines des réponses et certains des résultats qu'on a obtenus. Toutes ces informations sont sur dialogue.farmradio.org. dialogue.farmradio.org. Donc, vous pouvez donc aller voir ça après notre événement. Donc, passons maintenant à notre prochain panel. Nous sommes rejoints par 4 personnes qui travaillent sans relâche pour s'assurer que les populations personnes rurales sont au centre de tout ce qu'elles font. Et donc, nos invités sont Muivano Malimbui, Anne Turinayo et Benjamin Koyo Fiafor. Muivano Malimbui est clinicienne, nutritionniste et chef de projet à World Vision Tanzanie. Muivano a 18 ans d'expérience en gestion de projet et est une experte en changement social et comportemental. Anne Turinayo est la directrice de pays du FIDA pour le Burkina Faso et la Sierra Leone. Anne est passionnée par le développement rural durable et la transformation rurale et a plus de 15 ans d'expérience en tant que praticienne dans ce domaine. Benjamin Koyo Fiafor est le directeur national de Radio Rurale Internationale pour le Ghana. Benjamin a 21 ans d'expérience dans les programmes de développement agricole, la planification stratégique et le leadership. Muivano, Anne, Benjamin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ensemble, nous allons approfondir les résultats et les implications du rapport Dialogue à l'antenne. Et pour tous ceux qui nous rejoignent, vous pouvez poser vos questions à nos panélistes en utilisant la fonction questions et réponses sur Zoom. Cela s'applique également à nos à Rex et Hélène, à nos invités précédents Rex et Hélène. Vous pouvez aller et mettre vos questions sur donc au niveau de la fonction questions et réponses et on aura une session questions et réponses vers la fin donc de l'événement. Et on va essayer de répondre aux plus de questions possibles. Donc, on va commencer notre discussion avec un petit audio de BIS en Ouganda. Excellent. J'aime toujours un peu entendre ce qu'ils disent. On peut entendre les langues qui sont utilisées pendant le programme radio. Comme vous avez entendu, rien n'a été fait en anglais ou en français. Toutes les émissions de radio ont été faites donc dans les langues locales. Donc, examinons maintenant quelques conclusions clés du rapport. Muivano, je vais passer à vous en premier. Vous êtes une experte en santé et nutrition. Alors, regardons quelques-uns des résultats liés à cela. Dans le rapport, les résultats montrent des différences intéressantes entre les réponses données par les femmes et les hommes. Concernant les régimes alimentaires, pouvez-vous nous expliquer un peu ces différences et que pourraient représenter en fait ces différences? Merci beaucoup Sylvie. Si donc vous regardez par rapport à la question au niveau de la qualité de la nourriture, les résultats montrent que les femmes sont plus susceptibles de trouver cela plus important au niveau de la diversité de l'alimentation, alors que les croyances par rapport à l'alimentation. Et les hommes sont plus susceptibles de penser que leur nourriture est plus saine et sans danger comparé aux femmes. Qu'est-ce que ces données veulent dire d'abord par rapport à la nutrition et en termes de régime adéquat? Les femmes pensent que la nourriture que leur famille mange
n'est pas assez nutritif comparé à ce que les hommes pensent ou disent. Et ça, si on retourne, il y a quelques nutrition intervention was addressing to women. So this could be the knowledge that the women has from the education, from the structured health talk, from the antenatal, postnatal, from the clinic. As we all know, women are mostly visitors to the health facility than men. So this could be the reason that women are more knowledgeable compared to men. But when we look about the interpretations of this food that my family eats is nutritious, this could be that if we look back to our African cultures, that men serve the food in a special way and they are served first. And the family members, including women and children, are eat later than men. So serving the men, the father of the household, in a special way, this could make men to think that the food that I'm served, it's a very nutritious and my family are eating the same, while the reality is not that. Again, another issue that contributed to that, if we look back to the normal practice that men mostly are eat outside, some men, I can say that, are eat outside of the household without knowing what has been eaten by the children and women. So looking at Excusez-moi, il y a eu un problème de réseau, je suis de retour. Donc, les hommes peuvent dire « Ah, cette nourriture est nutritive », mais quand on revient au niveau du savoir, des connaissances des femmes, ils savent déjà en fait que si les enfants ont besoin de nourriture nutritive, ils doivent au moins avoir 5 aliments que les enfants donc doivent manger. Et donc, si on... Qu'est-ce que ça veut dire en fait une alimentation saine? Les femmes peuvent dire ah, avoir juste un type d'aliment, c'est pas nutritif. Juste avoir juste des légumes, ce n'est pas nutritif. Et donc cette compréhension des femmes, ce savoir, ces connaissances des femmes, et c'est pour ça qu'elles peuvent dire en fait nos familles ont de la nourriture, mais c'est pas nutritif. Merci beaucoup. Et je visualise à écouter les émissions de radio comme étant l'homme dans cette famille. Et quand j'entends en fait c'est les femmes dans sa communauté qui parlent de ça, et j'imagine peut-être ce moment où il comprend que ah oui, c'est pas la même chose, et aussi vice versa. Et c'est pour ça que c'est incroyable d'avoir ces conversations à la radio. Merci beaucoup Mouivano pour ces observations. Merci. Maintenant on entend un autre agriculteur, Yé Abdoulaye du Burkina Faso. Excellent. Donc, pour ceux qui sont en train de lire sur l'écran, on peut voir qu'on parle d'accès et de contrôle de la terre, des prêts et des crédits. Et donc, cette question, Anne, est pour vous. Dans le rapport et à partir de ce clip qu'on vient d'entendre, nous avons vu que les femmes et les hommes ont exprimé des besoins similaires lorsqu'il s'agit donc de réussir dans l'agriculture. Ce sont des prêts et des crédits, un accès sécurisé et un contrôle de la terre, une meilleure information, des intrants de haute qualité et un meilleur accès au marché. Et les problèmes d'accès aux prêts et aux crédits, à la terre et aux intrants affectent particulièrement les femmes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les facteurs en jeu ici? Merci beaucoup Sylvie et bonjour, bon après-midi et
Bonsoir, selon où vous êtes. En effet, Sylvie, comme vous savez, c'est un fait que les agriculteurs et autres personnes rurales et en plus, en fait, de leur contribution à alimenter le monde, ils sont de façon disproportionnée, en fait, ils ont plus faim et aussi, et ils sont plus vulnérables à la pauvreté et à la faim. Et cette situation peut changer si les leaders mondiaux écoutent en fait ces personnes-là et priorisent les solutions pour atteindre les besoins, par exemple l'accès aux prêts, aux crédits, comme le rapport des dialogues a montré. Différents facteurs aussi font partie en fait à l'accès à ces ressources productives comme prêts, crédits, l'accès à la terre, et aux intrants, et en fait ça change d'un pays à l'autre et aussi d'une communauté à l'autre, même si vous êtes sur le terrain, vous savez ce dont je parle, et c'est pour ça que c'est très important d'écouter les voix des agriculteurs de petite exploitation. La question en fait d'accès selon le genre à ces intrants productifs, à ces outils productifs. Et ça, c'est une question clé. Pour les femmes, c'est plus difficile, en fait, d'accéder au crédit et aux prêts parce que d'habitude, elles ont un manque, en fait, de collatéraux. Et aussi dans les communautés où elles ne peuvent pas avoir accès à la terre. Et là où elles ont accès à la terre, il n'y a pas en fait de propriété, de titre de propriété. Et donc, elles ne peuvent pas le considérer comme étant un collatéral pour avoir accès à ces prêts. Et aussi, la pénétration de ces institutions financières dans les zones rurales, c'est très limité dans la plupart de ces communautés. Et donc, là où la propriété de la terre est communale, en fait, ça devient compliqué. Ne pas avoir, en fait, ces titres de propriété sécurisés, et quand on investit au niveau de la terre, la terre peut être en fait prise, et donc les femmes, la responsabilité pour alimenter les foyers est plutôt envers les femmes. Et si on prend donc un prêt, c'est un risque. Et si on peut pas en fait repayer le prêt, et en fait c'est un énorme risque. Et je pense que beaucoup de femmes ne sont pas prêtes à prendre ce risque parce que sinon après on peut plus alimenter le foyer. Et il y a aussi d'autres facteurs de production, la terre en elle-même et d'autres intrants agricoles. Et c'est pour ça que c'est un enjeu clé et qu'on doit tous entendre et écouter comme ça a été exprimé au niveau des dialogues. Merci. Merci beaucoup. Et ça me fait toujours penser que dans beaucoup de pays, il y a des lois au niveau de l'accès et du contrôle de la terre, mais il y a une différence de ce que les lois sont et de ce que de ce qu'on pratique en fait dans ces communautés. Et donc, c'est comme ça qu'on voit qu'une chose affecte l'autre, affecte l'autre et affecte l'autre. Merci beaucoup, Anne, pour cette explication. Maintenant, on va passer à notre dernière vidéo avant de passer à toi, Ben. Et donc, cette vidéo est de Frédéric, je vous dirais plutôt un audio de Frédéric qui nous a rejoint de Bono East au Ghana. Thank
So we're talking here about... Donc, on parle ici, donc, où est-ce que les personnes obtiennent leur information. Et donc, Ben, j'aimerais nous tourner vers les programmes radio interactifs et la meilleure façon d'atteindre les gens à travers la radio. Nous voyons dans les résultats, dans le rapport, que le groupe le plus fiable pour l'information est la famille, les amis et les voisins. C'est le premier groupe. La radio était le deuxième groupe plus fiable pour obtenir l'information. Et ensuite, on a les coopératives d'agriculteurs, les vulgarisateurs agricoles et enfin les revendeurs d'intrants, dans cet ordre-là. Et donc, on peut dire, sans se tromper, que dans nos programmes, nos émissions radio, et je suis sûre que Ben, tu seras d'accord, que les experts agricoles sont très présents dans nos émissions radio, et comme il se doit. Mais à l'aide de ces informations qu'on a entendues du rapport que la famille, les amis et les voisins viennent avant donc les vulgarisateurs agricoles, comment pouvons-nous créer des programmes, des émissions radio auxquelles les gens ont confiance et qu'ils écouteront? Merci beaucoup à Sylvie. Bonjour et bonsoir à tous de là où vous nous rejoignez. Je pense que ce dialogue nous a donné assez d'informations pour nous aider à travailler de la meilleure façon pour atteindre nos chers agriculteurs et agricultrices. Ils ont donné des informations, de très bonnes informations qui nous confirment que et qu'ils veulent apprendre en fait des uns des autres. Et c'est pour ça qu'on voit en fait ces résultats et que oui, ils apprennent et ils font confiance à la famille, aux amis et aux voisins pour leur information. Et la raison simple, c'est que numéro un, cette information est... C'est ce qui va en fait créer leur succès ou pas pendant la saison. Donc, c'est très important et pour utiliser ça, et s'assurer qu'on continue d'atteindre nos agriculteurs, on doit commencer en fait à conceptualiser nos nos émissions radio pour en fait vraiment créer le bon contenu et inviter aussi les experts qui sont donc en relation avec leurs besoins. Et aussi, par rapport aux histoires à succès, c'est important que les agriculteurs viennent à l'antenne pour partager ces histoires-là. On doit aussi rendre ce programme très interactif pour, en permettant à l'émission radio d'atteindre les auditeurs pendant l'émission ou avant l'émission. Comme ça, il y aura donc un enregistrement des voix des agriculteurs avant le programme, aussi une tribune téléphonique pendant le programme pour que les voix des agriculteurs soient présentes parce qu'ils ont tendance à apprendre plus les uns des autres que directement des experts. Mais on ne doit pas enlever les experts, on doit s'assurer que les experts qui sont présents et s'assurer que toutes les informations qui sont donc partagées, que c'est la bonne information, et s'assurer aussi que tous ceux qui apprennent en fait des autres agriculteurs vont obtenir la bonne information. Et je pense qu'en faisant ça, on pourra donc atteindre les agriculteurs et agricultrices qui ont vraiment besoin d'informations pour pouvoir changer leur situation face au changement climatique. Merci. Merci Ben. Et je pense qu'un élément intéressant en fait d'avoir ces conversations à l'antenne, c'est qu'on a ces différents groupes qui viennent ensemble, qui se rejoignent, qui se parlent entre eux et il y a une chance plus importante que chacun comprenne en fait les réalités de chaque groupe. Et donc en ayant en fait ce mix de différents représentants, c'est vraiment un plus pour tout le monde. Je voulais aussi demander une dernière question au panel et juste si vous pouvez répondre pendant donc 30 secondes. J'aimerais savoir et je vais commencer donc avec vous, Muivano. Voici ma question.
qu'est-ce que les personnes qui donc sont au sommet doivent donc doivent se concentrer basé sur ces résultats. Merci beaucoup Sylvie. Une des choses qu'on doit savoir du rapport de FAO de 2015, c'est que 70% de la nourriture qui est consommée dans les pays développés vient en fait de ces agriculteurs de petites exploitations. Donc ma demande, c'est que on a besoin d'avoir les voix en fait de ces agriculteurs et agricultrices dans ces systèmes alimentaires, et ça peut être atteint si on a une meilleure inclusion de ces agriculteurs et agricultrices, particulièrement donc les agricultrices comme étant les personnes qui pour les personnes qui prennent des décisions parmi nos gouvernements et aussi que les agriculteurs parlent en fait des actions au niveau des coopératives, et c'est une des façons en fait que les agriculteurs utilisent pour qu'on entende leur voix, et aussi on doit parler de la qualité et de la sécurité des aliments. Et je demande aux partenaires, aux acteurs et les membres des États de parler donc de la qualité, de la sécurité des aliments sans pesticides, sans agents chimiques. Et ça, c'est l'action, c'est les actions que voilà, je veux mettre en avant pour ces membres des gouvernements. Merci, Muivano. Et à toi, rapidement, Anne, parmi ces résultats, donc ils doivent se concentrer sur quoi? Merci beaucoup, Sylvie. Je pense que je vais juste répéter que les membres des États, les ONG, les personnes qui mettent en pratique tout ça doivent écouter les agriculteurs et agricultrices et écouter ce dont ils ont besoin. Quand ils ont besoin d'accès à des outils financiers, oui, comment, quoi? Quand ils ont besoin de renforcer leur capacité, oui, d'accord, mais dans quoi, pourquoi? Et que ce ne soit pas une solution pour tous, mais s'assurer que le soutien qui est donné est vraiment ce dont ils ont besoin. Maintenant, pour les femmes, les jeunes, la seule façon de les autonomiser, c'est de les impliquer et de les impliquer donc au niveau de la production et les processus de décision. Et ça peut seulement se passer si on réinforce la capacité de ces groupes de personnes. Donc, pour le sommet, doit répondre rapidement à la question de comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous les systèmes alimentaires sont inclusifs, équitables et justes. Et c'est très important et qu'ils permettent au moyen de et que tout et aussi de fournir des moyens de subsistance et des revenus aux agriculteurs de petites exploitations, et numéro deux, que les personnes ont confiance par rapport aux aliments sur leur dans leur plat, et qu'il n'y ait pas des doutes par rapport à la sûreté et la qualité, et aussi finalement que les personnes soient rassurées par rapport à la production durable la production durable des aliments nutritifs. Benjamin, vous êtes le dernier. Donc, à quoi les participants au sommet des systèmes alimentaires doivent-ils prêter attention sur la base de ces résultats? Merci beaucoup. Avant les ONG et que les partenaires de développement et ceux qui participent à ce sommet, ils doivent prendre ça très sérieusement. Ce qu'ils doivent prendre sérieusement, c'est que les agriculteurs sont très connaissent en fait tous les enjeux qui ont un rapport au système alimentaire, et ils sont prêts à prendre responsabilité pour ça. Et une des questions par rapport au climat, cela nous montre que les agriculteurs veulent prendre responsabilité pour ça si on leur donne la bonne information leur est donnée, s'ils sont impliqués dans le processus en tant que partenaires. Comme ça, à la fin du jour, c'est pas juste de leur donner l'information par rapport à ce qu'ils doivent faire, mais ils sont vraiment impliqués dans un dialogue qui s'assure que
et pour qu'ils puissent prendre une décision importante par rapport au système alimentaire chez eux. Et aussi quelque chose qu'on doit, sur lequel on doit prêter attention, c'est donc l'enjeu du genre. Et en termes de partage de matériel de communication, on doit prendre en compte le niveau, l'âge, et si on parle à des hommes ou des femmes. Et en faisant ça, on va pouvoir communiquer directement à nos agriculteurs et agricultrices. Et c'est très clair que la radio vraiment ressort comme étant un canal que plus en plus d'agriculteurs utilisent pour obtenir des informations. Et je pense que si on continue de concevoir des émissions de radio interactives et de très bonne qualité, on va pouvoir atteindre tous nos agriculteurs au bon moment et avec de bons contenus. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous nos panélistes, Muivano Mwaliwi, Anturinayo et Benjamin Fiafor, pour vos observations. Ce que j'entends, c'est que on a besoin donc d'impliquer les personnes rurales, les agriculteurs, agricultrices, à éviter les généralisations et regarder en termes des spécificités pourquoi est-ce que les choses sont comme elles sont et comment est-ce que les personnes peuvent créer des changements s'ils veulent. Donc, je suis sûre que tout le monde est maintenant impatient d'en savoir plus sur les résultats parce qu'on a juste fait donc un petit aperçu, mais que vous avez aussi sûrement plein de questions pour ces personnes influentes dans vos cercles sur ce qu'elles font pour s'assurer que les populations rurales sont directement impliquées dans ces conversations sur les systèmes alimentaires. Et c'est super. Ça, c'est vraiment le point de notre conversation aujourd'hui, c'est comment est-ce que donc on implique les personnes rurales dans ces conversations. Mais pour l'instant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la fonction questions et réponses de Zoom. Vous pouvez donc placer votre question là et ensuite on va essayer de répondre au plus de questions possibles pendant notre session questions-réponses donc de cet événement. Et donc, pour explorer aussi un peu plus les résultats, on a ce rapport vraiment interactif et intéressant. Vous pouvez aussi entendre, en fait, les voix des agriculteurs qui ont participé donc à ces dialogues à l'antenne et pouvoir tout ça à dialogue.farmradio.org. Donc, suivant, un regard intérieur sur une discussion similaire de nos amis donc de Volta Star Radio dans la région de Volta au Ghana. Ce court clip vidéo montre des extraits d'une émission diffusée le 12 septembre qui a partagé avec les auditeurs certains résultats clés du rapport Dialogue à l'antenne à l'écoute des voix rurales. Voici la vidéo. IFAD, Farm Radio International, ye Volta Star Radio ha, mi wo mia tosinwa, mi todo lao, enye jijon manyakbolo, be mi wo adeka kpilimi, le kose dagbe wo, ek be fe taro jimu kpokule kwenye be, mi a dakbe na mi, mi dakbe na mi ya,
mia gagugbo nku ado mu yo ji ni zo avaya mia ado nku jina ni ke bia bia do ni wo dada mo aji na ni fe turu lawo be wa de wo fe susu agbo tu emu ga ke bia bia de kanye be enye gbogbo ebe ni ano agbele dem ano mia fe agbagba je ga ke nu mi ame ma no mia fe la me wa Isn't it great to see that? N'est-il pas formidable d'avoir un aperçu visuel de la façon dont tout cela s'est passé pour ceux qui n'ont jamais été dans une station de radio, un studio de radio? C'est vraiment fantastique. Tous les machines qu'ils utilisent, les outils qu'ils utilisent. Merci à l'équipe d'avoir mis ça en place, à VoltaStar aussi, et merci aux partenaires de diffusion de RRI VoltaStar de partager cela avec nous. Et on peut vraiment voir le pouvoir, pas seulement en fait d'avoir les émissions de radio qui vous demandent votre opinion en tant que auditeur, mais aussi comment aussi de voir le pouvoir en fait d'écouter ces voix-là à la radio et que cela soit intégré aux conversations en fait qui se passent à l'antenne et je pense que c'est vraiment un élément clé sur comment est-ce que ces émissions radio doivent se passer. C'est
c'est bien de poser des questions et que on est des experts, mais c'est tout aussi important de les entendre à l'antenne et qu'ils puissent donner leur opinion, leur expertise et aussi partager leur innovation. Donc, merci beaucoup pour cette vidéo. Et donc, c'est toujours incroyable d'entendre en fait l'optimisme des personnes interrogées dans les dialogues à l'antenne sur, par exemple, le thème du changement climatique. Mais le rapport a montré que 90% des personnes interrogées ont dit qu'ils pensent que de façon individuelle, ils peuvent faire quelque chose pour aider à atténuer les changements climatiques et se protéger contre les changements climatiques. Et donc, nous savons que l'action individuelle et l'optimisme est fantastique, mais ne peuvent pas aller aussi loin, et on le sait. Nous avons besoin de politique, nous avons besoin d'action, et nous avons besoin de changements à un niveau plus élevé. Et heureusement, aujourd'hui, nous avons donc un groupe de personnes qui peuvent donc en parler de comment changer ces politiques, comment avancer. Donc, on va donc maintenant se concentrer sur le sommet en lui-même. Quelles décisions les décideurs politiques doivent-ils prendre pour faire face au changement climatique, pour adresser le changement climatique, ainsi que tous les autres défis qui font partie des systèmes alimentaires? Et pour notre dernier panel, on va donc, on souhaite la bienvenue à, encore une fois, à Rex Chapota et Hélène Papper. Et nous sommes également rejoints par Angeline Munzara et Laura Sewell. Et Angeline Munzara est responsable du secteur mondial Livelihoods pour World Vision International. Dans ce rôle, Angeline assure un leadership mondial pour les praticiens des moyens de subsistance dans 100 pays. Bienvenue, Angeline. On est aussi rejoint par Laura Sewell, qui est la représentante principale du Canada pour Mercy Corps. Laura travaille dans le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire depuis 15 ans et est ici aujourd'hui pour représenter le Canadian Food Security Group. Policy Group. Merci à tous. Aujourd'hui, je n'ai qu'une seule question pour vous, mais c'est notre question à $1 million. Et Laura, je vais donc vous demander d'y répondre en premier. Maintenant que vous savez tout cela, en écoutant donc ces résultats des dialogues à l'antenne, à l'écoute des populations rurales, que faisons-nous ensuite? Quelles actions concrètes doivent être prises et je vais oser dire seront prises. Merci Sylvie pour ça. Et donc je représente donc le Food Security Policy Group, qui est une coalition de 36 organisations au Canada qui s'engage dans un dialogue politique avec le gouvernement canadien. Nous étions heureux de soutenir ces dialogues et d'entendre directement des agriculteurs et des populations rurales sur la sécurité alimentaire, l'agriculture et le changement climatique, l'égalité des sexes et l'inclusion. Et nous nous engageons à les faire progresser dans notre dialogue politique avec le gouvernement canadien. À l'heure actuelle, alors que la politique d'aide internationale féministe du Canada fait référence à la nutrition, à l'emploi et au changement climatique comme domaine d'action, elle n'inclut pas explicitement la sécurité alimentaire, et donc on pense que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé à la lumière du contexte mondial changeant et des taux accrus d'insécurité alimentaire et donc de famine. L'agriculture à petite échelle a un grand potentiel pour créer des emplois, réduire la pauvreté et stimuler la croissance économique en Afrique. Près de 90% des agriculteurs participant au dialogue à l'antenne voient un potentiel pour les jeunes dans l'agriculture, mais pour qu'ils puissent réussir, les systèmes alimentaires doivent changer et doivent avoir un investissement plus important dans les intrants et les outils financiers qui sont pertinents pour les agriculteurs de petite exploitation et un meilleur accès à la formation aussi. De nombreux agriculteurs qui ont appelé, donc ont indiqué que les menaces liées aux conditions météorologiques représentaient un risque pour leur sécurité alimentaire. Et nous savons que ces menaces augmentent d'année en année avec le changement climatique.
en particulier pour les agriculteurs dépendants des précipitations. Et face à ces menaces, plus de 80% des agriculteurs ont déclaré que le changement climatique était quelque chose auquel ils pourraient face s'ils avaient de l'aide. Le Canada, donc la politique d'aide internationale féministe du Canada met l'accent sur l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes comme voie vers le développement durable. Et au cours de ces dialogues, nous avons vu que les femmes pensaient qu'un meilleur accès aux prêts et aux crédits et un accès sécurisé et un contrôle sur la terre étaient considérés comme la voie la plus importante vers le succès en tant qu'agricultrice, agriculteur. Mais ce qu'on a entendu à travers ces dialogues, c'est que les agriculteurs sont prêts et à offrir des solutions. Et donc maintenant, c'est à nous, en tant que NGO canadienne et au gouvernement canadien et d'autres acteurs au niveau de ce sommet, donc d'avancer. Et donc par exemple, en investissant au niveau des agricultrices, dans les organisations dirigées par les femmes, y compris les groupes de producteurs de femmes, pour faciliter l'inclusion financière et soutenir les efforts de plaidoyer pour l'égalité de propriété foncière pour les femmes et les personnes marginalisées. Et en fait, considérer aussi l'agriculture à petite échelle comme un moteur économique qui peut fournir des moyens de subsistance aux jeunes, et y compris les jeunes femmes. Et aussi accroître le soutien à l'adaptation au changement climatique dans les systèmes alimentaires. Merci beaucoup. Et donc, Rex, je vais te poser la même question. Donc, quel est votre appel à l'action en allant à ces sommets? Merci beaucoup, Sylvie. Imaginez que dans 3 semaines, pendant les dialogues à l'antenne, on a pu avoir des milliers de voix qui donc ont soulevé leur enjeu. Pendant ces 3 mêmes semaines, des millions d'agriculteurs et agricultrices, on a pu atteindre ces agriculteurs et savaient ce qui se passait par rapport à cet ordre du jour pour le sommet. Et ça montre le pouvoir de la communication. Mais dans la plupart des cas, on met la communication comme étant quelque chose après la conception, après le design. Mais en effet, les dialogues à l'antenne nous ont montré que la communication pour le développement doit être un des leviers clés pour l'implication et le dialogue dans le processus de développement. Et donc, par conséquent, je demande à l'ONU et aux États d'investir dans la communication pour le développement, parce que ce n'est pas juste sur des annonces à l'antenne ou des nouvelles, c'est de la discussion sur les moyens de subsistance et les enjeux de développement qui peuvent créer une différence pour ces armées de la production alimentaire. Deuxièmement, on a vu qu'à travers le pouvoir de la communication et dans ce cas donc de la radio interactive, que quand c'est intégré avec des plateformes mobiles, et en fait, ça permet de prendre en compte toutes les actions locales. La plupart du temps, ces programmes de développement, en fait, seulement atteignent quelques centaines. Mais quand on utilise le pouvoir des médias de masse, comme la radio, et quand on intègre des plateformes mobiles, on peut en fait prendre en compte toutes ces actions locales et mettre ça à l'échelle mondiale. Et donc, on doit impliquer activement les populations rurales. Et donc, notre appel pour les gouvernements et les parties prenantes, c'est on doit impliquer les populations rurales. Et comment est-ce qu'on le fait? On utilise la communication. Comment est-ce qu'on le fait? On utilise la communication. Il faut que la communication soit un enjeu central en termes des zones où on doit investir quand on aux objectifs de développement durable de 2030. Et c'est super d'entendre que le secrétaire général de l'ONU a appelé ce sommet le sommet des personnes, et que c'est grâce à ce sommet, on demande à l'ONU
que ce ne soit pas seulement un événement qui doit donc se passer le 23 septembre, mais que ça doit être un dialogue continu, ça doit être une implication continue des personnes rurales pour que à chaque étape, quand on va donc vers ces objectifs de développement durable de 2030, on doit avoir les personnes impliquées. Et souvenez-vous, ce sont les personnes locales qui sont les experts locaux dans leur façon, sur leur sujet. On doit les impliquer, on doit les engager parce que c'est la façon pour qu'on puisse savoir leurs besoins et l'investissement correct qui sont nécessaires dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne et dans les autres régions. Il est temps d'investir dans la communication pour le développement. Pas comme après, mais comme un levier clé du développement. Merci. Merci, Rex. Hélène, quel est le message que vous voulez laisser aux gens avant le sommet? Merci. Vous allez surtout entendre de la même chose, mais je pense que ça vaut la peine de répéter ce sommet et se mettre d'accord sur des actions pour transformer les systèmes alimentaires. C'est aussi se responsabiliser, aussi s'assurer quand le sommet est terminé, que les investisseurs, l'investissement nécessaire vont être faits aussi sur le niveau des plateformes digitales et au niveau des communautés rurales, mais ça peut seulement être fait si les mécanismes sont mis en place et adresser les enjeux et les besoins clés de ces personnes. Chaque communauté, chaque pays ont des préoccupations différentes pour en fait améliorer, renforcer leur vie et aussi comment en fait livrer par rapport à leurs besoins dans ces zones rurales. Et comme mes collègues ont dit, on doit mettre la communication innovative au centre, vraiment au cœur de nos stratégies. Maintenant, on n'investisse pas assez dans ces mécanismes. Ce ne sont pas des mécanismes simples, mais ce sont des stratégies. Il y a une importance stratégique et logistique pour vraiment engager ceux qui ont tellement à nous apprendre. Si on ne fait pas ça, on ne va pas réussir. S'assurer aussi que les femmes aient accès à la terre, aussi écouter les jeunes et leurs besoins pour pouvoir rester au niveau des zones rurales, et aussi l'accès financier. Si on n'écoute pas tous ces besoins-là et si on n'écoute pas, il n'y aura pas de transformation durable. On doit offrir des solutions concrètes et offrir des opportunités qui sont pour elles et qui adressent leurs besoins spécifiques. Systèmes alimentaires ont des solutions qui vont encore plus loin en fait que juste alimenter le monde. On a entendu des personnes rurales ce qu'on doit faire et ensemble avec eux, donc maintenant c'est aux leaders globaux d'écouter et d'investir dans ces enjeux. Et on a montré aujourd'hui avec ce projet pilote, mais aussi à l'échelle mondiale, de s'assurer que les résultats soient des solutions innovante et rapidement, on peut aussi voir à travers ces résultats que ça s'aligne avec nos ambitions aussi au FIDA, s'assurer que nos mécanismes en fait atteignent ces agriculteurs et pour qu'on les laisse pas de côté, et c'est pour ça qu'on continue, qu'on avance et pour augmenter en fait l'investissement dans le travail que l'on fait. On est aussi ici pour dire oui, ça atteint les besoins des personnes rurales. Il est temps de les soutenir le monde, les personnes derrière nos replats, nos plats. Et aujourd'hui, c'est une opportunité de s'unir derrière une action commune. Merci beaucoup, Hélène. Et j'ai dit dernière, mais en fait, j'ai menti, c'est pas vrai du tout. Maintenant, c'est à Angeline. Même question pour vous. Quelles actions concrètes doivent être prises et, oserais-je dire, seront prises au niveau du sommet qui arrive?
Merci beaucoup cette opportunité pour dire quelques mots en fait sur ce qui doit être fait pour avoir en fait donc un sommet intéressant comme étant un des champions. Donc la véritable valeur de la recherche est de partager les points de vue et les solutions des petits exploitants agricoles, femmes et hommes, étant donné qu'ils produisent la majorité des aliments qui entrent dans le système alimentaire. Et un soutien accru donc à ces agriculteurs, femmes et hommes, et à leur organisation est nécessaire afin qu'ils puissent augmenter la production d'aliments divers et nutritifs et gérer les risques et diversifier les moyens de subsistance. Plus précisément, cela nécessite un régime foncier sécurisé, un meilleur accès aux intrants appropriés, aux crédits et aux services commerciaux et des opportunités accrues de formation sur l'agriculture régénérative et d'autres pratiques adaptées aux conditions agroécologiques auxquelles de nombreux petits agriculteurs pauvres sont confrontés. En tant donc qu'épine dorsale des systèmes alimentaires, les exploitants donc de petites exploitations, hommes et femmes, doivent être mis en premier plan au sommet et en particulier dans le suivi après le sommet. Ces agriculteurs et leur communauté subissent directement les impacts des systèmes alimentaires injustes et inéquitables. Cependant, en tant qu'acteurs du développement à part entière, ils ont également une riche expérience à partager sur la façon de transformer les systèmes alimentaires pour qu'ils soient plus inclusifs, durables et résilients. Et donc, ça va leur permettre de transformer leur système alimentaire, mais aussi leurs voix ont été absentes, en fait, de ces dialogues mondiaux. Ils ont besoin, en fait, de fournir des opportunités pour écouter les voix des agriculteurs. Comme j'ai dit, c'est plus qu'un concept, c'est un moyen de subsistance, c'est une façon de vivre. Et on doit permettre aux agriculteurs et agricultrices de parler pour eux-mêmes parce qu'ils ont les connaissances, ils ont l'expertise, ils ont l'expérience nécessaire pour comment transformer les systèmes alimentaires pour être plus sensibles au genre, pour être plus inclusif, pour être plus durable et pour être plus résilient. Et donc, ne pas leur donner ce droit pendant le sommet et après le sommet, cela donnera un risque de ne pas, en fait, atteindre les besoins de ces agriculteurs. Et donc, j'aimerais de finir en disant que, en tant qu'un des champions qui donc fait le plaidoyer pour ces agriculteurs et agricultrices, je pense que les opportunités vont être fournies pour eux pour qu'ils puissent parler de leurs enjeux et de faire partie des solutions. On doit se souvenir que les systèmes alimentaires commencent sur l'exploitation agricole, et c'est l'héritage et c'est ce que les agriculteurs veulent laisser pour leurs enfants. C'est pas seulement pour les agriculteurs maintenant, mais ils veulent transmettre ça à leurs enfants. C'est le futur de leurs enfants et on doit écouter leur voix, pas seulement pour le bénéfice de la génération présente, mais aussi pour le bénéfice des générations futures. Écoutons les voix des agriculteurs et agricultrices et aidons-les à choisir le futur pour leurs enfants et partager en fait cette expertise, ces connaissances envers leurs enfants pour qu'ils continuent de faire partie de ce système alimentaire global et qui contribuent en fait à cette sécurité alimentaire globale. Et je pense qu'avec ces différentes étapes, on va pouvoir atteindre zéro pauvreté, zéro faim avant 2030. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, Rex Chabota, Ellen Pepper, Angeline Munzara et Laura Sewell. Merci beaucoup pour vos appels à l'action et j'espère que tout le monde est en train de prendre des notes et des idées pour tous ceux qui vont participer pour donc soulever certains de ces enjeux importants pendant le sommet.
Donc, en allant au sommet, le sommet arrive très bientôt. On a entendu beaucoup d'idées. On a aussi revu certains des résultats de notre dialogue à l'antenne, de son dialogue à l'antenne. Et donc, inutile de dire qu'il y a tellement de travail à faire, mais que on entend aussi que un peu de ce travail est en train d'être fait en ce moment. Nous sommes presque à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui. Et avant de passer aux questions-réponses, je voulais, pour ceux qui peuvent rester un peu plus longtemps, je voulais vous laisser quelques réflexions et vraiment aussi créer un écho de tout ce que les panélistes ont dit pendant cet événement. Les sommets sont formidables et ils sont importants, très importants. Ils nous permettent de nous rassembler, d'établir des liens importants en participant à une variété de discussions avec tout type de personnes. Les sommets sont très, très importants pour ça. Et cette année, parce que c'est un sommet virtuel, parce que c'est plutôt un sommet virtuel, nous porterons tous des chaussures plus confortables. Et ça, c'est vraiment un plus. Je pense que ça va donc créer cette expérience du sommet beaucoup plus confortable, parce que c'est des longues journées. Et donc, on va pouvoir le faire depuis chez nous. Les sommets sont aussi une occasion de prendre des décisions concrètes. Beaucoup de ces choses-là vont se passer. Ils nous permettent aussi de façonner la politique, les politiques et les interventions, et de nous sentir rajeunis, en fait, dans nos engagements. Mais beaucoup de personnes ont dit dans la conversation aujourd'hui, trop souvent, les listes d'invités n'incluent pas les personnes dont nous parlons. Les agriculteurs, les personnes rurales, toutes ces personnes dont on a parlé, donc toutes ces personnes dont on parle pendant ces sommets. Et donc l'inspiration pour les dialogues à l'antenne était d'utiliser la forme de communication la plus accessible, la radio, pour ensemble avec donc l'interactivité des téléphones mobiles, pour écouter et inclure les populations rurales dans le processus du sommet sur les systèmes alimentaires. Et donc à l'aube du sommet de cette année, efforçons-nous non seulement de nous mettre à la place des personnes rurales, non seulement d'inviter et d'écouter activement les personnes rurales, mais aussi d'agir en fonction de ce qu'ils nous disent. Et d'embrasser la complexité des systèmes alimentaires et les implications concrètes qu'elles ont sur la vie des personnes qui sont impliquées. Avançons dès aujourd'hui avec un engagement renouvelé envers les populations rurales, pas comme une idée abstraite, pas comme des chiffres, mais comme de vraies personnes avec une réelle capacité à contribuer à la conversation sur les systèmes alimentaires. Donc, un rappel pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur ce rapport et les résultats qu'on a obtenus, vous pouvez aller sur dialogue.farmradio.org pour une belle représentation visuelle de ces résultats. Vous pouvez aussi visiter ifad.org très rural voices, ifad.org/rural voices. Et si vous voulez en savoir plus sur Radio Rurale Internationale, vous pouvez simplement vous rendre sur farmradio.org. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons quelques minutes pour quelques questions. Je pense qu'on a un peu dépassé le temps avec certaines discussions. Il y a tellement à dire et ça arrive souvent. Mais on a quelques minutes pour des questions. Si vous pouvez rester. Restez, mais si vous devez partir, merci beaucoup pour votre participation et de nous avoir rejoints donc dans cette conversation. Une bonne fin de journée. Pour ceux qui restent, abordons ces questions. Je vais essayer de mentionner le plus possible. OK.
Donc, les questions, donc cette question est pour Laura de Johnson Olupona. Et je suis désolée si je ne mentionne pas votre nom correctement, je veux les dire, mais désolée si je ne prononce pas bien votre nom. Laura, cette question est pour vous. Comment est-ce que les agriculteurs peuvent faire partie des personnes qui créent ces politiques ou comment est-ce qu'ils peuvent être entendus par les organisations canadiennes? Oui, je pense que c'est une super question et beaucoup de panélistes ont parlé de ça et que les voix des agriculteurs ne sont pas entendues. Et je pense que un des efforts qu'on a essayé de faire avec cet événement, c'est une opportunité en fait de mettre ces voix où elles peuvent être entendues, pas seulement par les personnes qui prennent des décisions au Canada, mais aussi qui sont engagées au niveau du sommet sur les systèmes alimentaires, donc les gouvernements, les ONGO dans le monde qui participent au sommet. Et quand on voit en fait les participants au niveau du sommet, on voit beaucoup de participants de pays comme le Nigeria, l'Ouganda et une grande participation des gouvernements de ces pays. Et c'est vraiment super à voir en termes de la Food Security Policy Group au Canada. Tous nos membres sont dans les pays où nous travaillons et donc on essaye d'être toujours en communication avec donc ces agriculteurs pour comprendre leurs priorités et leurs intérêts pour qu'on puisse donc les mentionner au gouvernement canadien pour eux. Donc, il y a un événement aussi où des agricultrices ont pu partager certains de leurs besoins et intérêts et c'était super, mais je pense que certains points d'action qu'on a vus aujourd'hui sont très importants. Thank you. Merci. La prochaine question est pour Rex. Donc, il demande, est-ce que le rapport est basé sur une analyse qualitative de toutes les contributions des agriculteurs ou des voix qui ont été, parlent sur certains sujets pertinents? Merci pour la question. Et c'est une très bonne question, en effet. Le rapport qu'on a lancé aujourd'hui revoit une analyse qualitative et quantitative des voix qui ont été entendues, mais pas toutes les voix parce qu'il y en avait beaucoup. On a reçu plus de 2000 voix d'agriculteurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transcrit les voix qui répondaient aux questions clés et les points d'action 1, 4 et les pistes d'action du sommet 1, 4 et 5 pour qu'on puisse en fait créer ces données et ces voix. Et c'est ce qu'on a fait et on peut confirmer que ce rapport est une représentation de beaucoup de ces voix parce que toutes celles qui ont été donc prises en compte sont celles qui répondaient aux questions et aux pistes d'action 1, 4 et 5. Merci. Merci, Rex. Une question pour Helen de Mark. Les agriculteurs n'ont pas dit quelque chose qu'on ne sait pas. Cependant, le problème, souvent, le dialogue sur les systèmes alimentaires devient très complexe et les agriculteurs nous rappellent que on doit avoir les fondations correctes. Les agriculteurs ont besoin des bons intrants, des bonnes infrastructures, bon financement et aussi la bonne action collective. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que l'ONU, que le sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires s'assure que ça donc souligne et s'assure d'avoir ces fondations correctes et aussi que cet financement additionnel en fait permet de construire ces fondations. Très bonne question et une question générale. Vous savez, une chose, c'est que
on peut avoir une notion, une idée que, ah oui, ils n'ont pas dit quelque chose qu'on ne se connaît pas, mais si on regarde les spécificités du rapport, et je vous recommande vraiment de le faire parce que c'est disponible publiquement, vous pouvez voir que les résultats sont différents de pays à pays, les priorités sont différentes, les nécessités sont différentes, et l'importance, par exemple, d'accéder, par exemple, aux fonds comparé à d'autres zones et d'autres pays, l'importance qui est donnée au type de graines, de semences, et le type de semences qu'ils obtiennent et aussi les questions en termes de nutrition, de santé sont différents. Donc, les questions et les résultats sont assez uniques pour chaque zone. Donc, je pense qu'on apprend quelque chose de nouveau. On apprend aussi que comparé à cette compréhension globale que les jeunes essayent d'aller dans les zones urbaines parce qu'ils veulent pas rester ou qu'ils n'ont pas de moyens de subsistance dans les zones rurales, les résultats montrent qu'en fait, ils essayent de rester dans ces zones rurales. Donc, je pense qu'il y a des informations qui est extrêmement utile et beaucoup de valeur et qui, en fait, créer un défi pour ces notions qu'on avait déjà. Comment est-ce qu'on peut s'assurer transformer ces données en quelque chose qui sera un soutien pour eux? Et donc, c'est à nous, quand on développe en fait ces nouveaux canaux, de, par exemple au niveau de soutien financier, de comment est-ce qu'on peut l'adapter pour avoir un meilleur mécanisme de suivi pour s'assurer que l'investissement atteint les populations qu'on veut soutenir. Et ça, c'est quelque chose que le sommet essaye de soutenir et essaye aussi de revoir pour en fait, utiliser la technologie digitale pour pouvoir faire ce suivi. Donc, il y a une façon, en fait, d'utiliser certains de ces apprentissages clés, de ces dialogues, pour s'assurer que les solutions qui surviennent sont efficaces. Merci beaucoup. Donc, cette prochaine question est pour Muivano, d'une participant anonyme, et il demande l'enjeu d'accès et de contrôle sur les ressources productives est essentiel pour les agriculteurs pour améliorer la productivité et les moyens de subsistance et surtout pour les agricultrices. Quelles initiatives clés sont prises en compte pour améliorer l'autonomisation et la responsabilisation des femmes pour donc bénéficier de ces initiatives agricoles? Merci beaucoup. Je travaille dans un projet Enrich pour améliorer la santé maternelle et des enfants. Et je vais prendre un exemple de ce qui a été fait avec ce projet Enrich en Tanzanie. Et un des enjeux pour la promotion, en fait, de l'autonomisation des femmes, c'est d'autonomiser les femmes pour qu'elles puissent faire partie de la prise de décision au niveau des foyers. Mais les personnes qui prennent ceux qui prennent des décisions au niveau, en fait, de l'Afrique, en fait, ce sont les hommes. Et donc, on doit aussi responsabiliser les hommes sur quels sont les droits des femmes et leur montrer que les femmes peuvent faire partie de ces prises de décision. Et donc, de ce projet, on a appris qu'on se concentre, en fait, sur l'autonomisation des femmes à travers les hommes. Et ça a beaucoup aidé les femmes pour pouvoir, en fait, avoir cette capacité de prendre des décisions, ce pouvoir pour prendre des décisions, mais aussi l'enjeu de l'autonomisation économique. Par exemple, par rapport à l'agriculture, au lieu que les femmes soient prises comme des producteurs, productrices, on doit penser, et ça c'est le point d'action, c'est d'inclure
en fait des femmes au niveau en fait des cultures qu'on vend, et ça doit être fait à tous les niveaux, en fait au niveau de la commune, au niveau du pays, au niveau du continent, que les femmes ne sont pas seulement en fait au niveau des cultures qu'on utilise pour l'alimentation, mais aussi les cultures qu'on utilise pour vendre, pour que s'assurer que l'autonomisation économique des femmes soit là, et s'assurer en fait qu'elles aient une qu'elles puissent prendre des décisions. On ne peut pas prendre des décisions si on n'est pas capable de façon économique, si on n'a pas ce pouvoir au niveau économique. Et ça, c'est le point d'action, l'appel d'action. Merci beaucoup. Je vais poser cette dernière question parce qu'on on a dépassé le temps, mais on veut poser cette dernière question. Je vais demander à deux personnes, à Anne et Angeline. Je vais commencer par vous, Anne, d'un participant anonyme. Et cette personne aimerait savoir de quelle façon, dans différents pays, est-ce que les agriculteurs peuvent être pris en compte ou faire partie de ces décisions, de ces sphères de décision, là où les gens prennent des décisions? Comment est-ce que, de façon concrète, dans leur pays, faire partie de ces conversations? Merci beaucoup, Sylvie. C'est une vraiment très bonne question, surtout parce que j'aimerais parler, en fait, que ça soit délibérément d'inclure ceux qui sont exclus. Des fois, on pense que quand on arrive dans des réunions, que les femmes sont incluses. Mais non, on doit être délibéré. Dans certaines communautés où les femmes ne peuvent pas parler en public, on doit s'assurer qu'on les cible, qu'on doit écouter ce qu'elles ont à dire. Dans certaines communautés, on peut voir que certaines réunions de communautés, en fait, ces réunions sont au moment où les femmes doivent aller chercher l'eau, doivent préparer la nourriture pour leur famille. Et en fait, on se dit, les femmes ne sont pas là, elles ne sont pas venues. Mais en fait, non, c'est l'heure de cette réunion n'était pas la bonne. Il faut être délibéré. Il ne faut pas penser que les femmes ne sont pas là parce qu'elles ne veulent pas être là. À quelle heure avez-vous poser cette réunion? Quand c'est une réunion avec des hommes et des femmes, faites attention, parce que dans certains contextes culturels, les femmes ne peuvent pas parler quand les hommes sont là. Il faut les séparer, et aussi les jeunes aussi, parce que les jeunes ne peuvent pas parler quand les personnes plus âgées sont là, et il faut écouter leurs besoins de façon séparément des fois dans certains contextes. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant avec ce partenariat de IFAD, du FIDA et de Radio Rurale Internationale. C'est donc, on sait qu'avec ce contexte, ils peuvent juste appeler la radio et pas les mettre dans des situations qui sont inconfortables. Et vraiment, ce sont en effet des idées très pratiques. Merci. Et Angeline, je veux vous poser la même question, mais bien sûr, dans un contexte complètement différent. Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes sont impliquées et que les bonnes personnes et qu'on entend en fait ces conversations? Merci. Si je peux répondre rapidement, je pense qu'on a eu, on a entendu que les préparations avant donc ce sommet, donc c'est tout ça est très complexe, et des fois c'est tellement difficile pour ceux qui doivent être engagés dans ces conversations comme les agriculteurs. Donc j'aimerais vraiment vraiment applaudir à Radio Rurale Internationale qui est pour la recherche qui a été faite, et pour pouvoir en fait parler à ces différents individus et donc de documenter leurs préoccupations et de voir les résultats en fait se mettre en partenariat avec des organisations qui sont ressemblantes comme Radio Rurale Internationale, FIDA, et de voir donc leur bureau pour donc créer donc voir ces différentes voix des agriculteurs et agricultrices, et donc
s'assurer qu'ils sont représentés, on doit aussi impliquer les organisations des agriculteurs et agricultrices qui sont dans nos pays et on doit leur présenter en fait les résultats de cette recherche. On ne doit pas le faire nous-mêmes. Le travail a déjà été fait. On peut utiliser en fait ces ressources puissantes et on doit s'engager avec les ministères de l'agriculture au niveau du au niveau national, ceux qui vont être présents au sommet et leur présenter en fait un résumé et les résultats de ce rapport. On doit être proactif parce qu'il n'y a personne qui va venir vers nous. Comme c'est pas seulement en fait le concept, c'est aussi les moyens de subsistance et on doit être responsable et être proactif et leur montrer en fait les résultats de cette recherche parce que je pense que c'est un rapport très riche qui va influer en fait les prises de décision qui vont être faites pendant le sommet. Donc, merci beaucoup pour cette collaboration et Radio Rurale Internationale pour le recueil de ces voix pour s'assurer que ces recommandations sont mises sur la table. Et vous pouvez aussi, il y a aussi un réseau sur Globe. Des champions de ces systèmes alimentaires, ils vont avoir en fait une opportunité pour présenter en fait. Donc on doit donc atteindre toutes ces personnes, tous ceux qui vont être engagés. Et donc c'est ce que je peux conseiller de là où je suis. Merci. Et on parle donc de partenariat et je pense que c'est si important et j'ai dit que c'était la dernière question, mais je vais juste ajouter une dernière question si vous me laissez. Ben, il y a une question qui est donc revenue sur, qui parle donc de Sylvie, pas moi, une autre Sylvie, qui dit « Je pense qu'on doit avoir une force d'action combinée, donc partenariat, une émission de radio peuvent atteindre des masses, mais ce n'est pas forcément pratique. Donc ces pratiques peuvent être juste apprises à travers donc des voisins, des amis, les agents de vulgarisation. » Donc, comment est-ce que les émissions de radio et ces groupes peuvent travailler ensemble? Merci beaucoup, Sylvie. La question est très importante parce que en ce moment, la conversation principale au niveau de la vulgarisation est la vulgarisation pluridisciplinaire qu'aucun outil digital ne peut en fait le faire seul et donc ces partenariats sont très importants et donc dans l'utilisation de la radio, on doit s'assurer que les bonnes personnes sont là, que les agriculteurs sont à la table, que les agents de vulgarisateurs et les experts sont là, s'assurer qu'on a le bon modérateur et aussi combiner donc la radio avec d'autres outils digitaux. Digitaux comme par exemple Facebook et autres plateformes. Et maintenant, il y a une opportunité de combiner aussi avec d'autres outils et donc s'assurer que la dernière personne est atteinte. Parce que si vous faites une émission radio et que vous leur dites référez-vous à l'agent de vulgarisation, en fait, et donc, en fait, cet agent va pouvoir fournir plus d'informations à l'agriculteur après l'émission de radio. Et donc, c'est un travail collaboratif. Et donc, cette idée de partenariat, c'est vraiment très important pour atteindre la dernière personne qui est donc sur cette planète. Merci beaucoup, Ben. Et Helen, je pense que tu voulais ajouter une dernière clarification autour donc de ces résultats.
Oui, je vais juste ajouter à ce que Ben vient de dire. On doit s'assurer que les personnes dans les endroits les plus éloignés, vraiment la dernière personne et tout le monde est connecté. Et la radio fait ça et la radio sauve des vies. Et les technologies digitales qu'on a aujourd'hui sont vraiment les outils les plus avec le plus d'impact. Et notre partenariat avec Radio Rurale Internationale est vraiment clé. Et notre ambition, c'est vraiment de vraiment continuer avec ce partenariat. C'est vraiment des résultats concrets qu'on apporte au sommet. Et donc ça a été fait. Une réponse à un appel global de l'ONU. Et donc, il y a eu des mécanismes spécifiques qui ont été utilisés pour s'assurer que les solutions et que les préoccupations clés des populations qui ont participé ont été donc rapportées à travers ces mécanismes. Donc, ces voix vont atteindre au sommet et grâce à RRI, on a suivi les bons mécanismes pour s'assurer qu'ils font partie de ces dialogues globaux et des solutions globales qui vont donc être prises. Et donc, c'est quelque chose qui est nouveau, je peux dire, et on est tous très fiers de montrer tout ça, quelque chose de concret qu'on amène donc au sommet, tous ensemble. Excellent, merci beaucoup. Donc, ça, c'est donc la fin de notre événement aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont restés un peu plus longtemps. On a dépassé donc le temps. Mais quand on parle de sujets aussi importants et que tout le monde est si engagé, on a beaucoup à dire. Donc, merci encore une fois à tous nos panélistes. Muivano, Anne, Laura, Angeline, Benjamin, Rex, Helen. J'espère que j'oublie personne, mais merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été là pour écouter et merci à tous ceux qui sont derrière les écrans pour votre aide. Et aussi, Storm Events Limited pour tout le travail par derrière et les vidéos et l'audio. Merci beaucoup. C'est vraiment inspirant de savoir qu'on a cette capacité de se connecter et de travailler en fait et de travailler à une meilleure compréhension des personnes pour lesquelles nous travaillons et de travailler avec eux pour construire de meilleurs systèmes alimentaires. Et je suis sûre que cette conversation a été très intéressante. Et pour tous ceux qui vont être au sommet, j'espère que vous allez donc rapporter tout ça. Donc, je suis Sylvie Harrison pour Radio Rurale Internationale. Merci d'avoir écouté les voix rurales à l'échelle mondiale.